Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et personne d'autre. Et tous les autres qui veulent se joindre à nous pour savoir ce qui se passe, quand ça se passe, pourquoi ça se passe, comprendre les changements climatiques, simplement le grand minimum solaire, ce qui nous attend au niveau social, politique, économique, financier, ça, l'argent, ça va et ça vient. On peut s'arranger, mais social et politique, et naturellement le climat qui va s'intensifier, on n'est pas sorti de l'auberge. On est le dimanche, fête des pères, bonne fête au papa, 16 juin 2019. On revient sur les orages d'hier en France. Les cousins français m'avaient envoyé énormément de messages et de liens, et c'est vraiment quelque chose d'inhabituel pour les Français d'avoir ce type d'orage-là au mois de juin, il faut comprendre, au mois de juin. On va aller lire d'ailleurs un commentaire d'un cousin qui illustre bien la situation. Quand j'ai dit que personne ne serait épargné, quand j'ai dit que l'été qui n'est pas commencé serait éprouvant, voyez-vous, on ne s'est pas trompé à Freedom News Network. On s'en va voir ça tout de suite. D'abord, on commence avec le commentaire. Un peu de météo aujourd'hui, qu'il y a des orages en automne, je suis d'accord. Ou bien en été, quand le temps devient lourd. Nous sommes mi-juin et les orages arrivent sournoisement avec la grêle. Enfin là, c'est carrément des blocs de glace qui ravagent tout sur son passage. Je peux dire qu'actuellement, nous attendons parler d'orage, vaut mieux, quand on entend parler d'orage, vaut mieux se mettre à l'abri. Car on ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur la tête. Et ça fait longtemps que j'en parle. J'ai la grêle, la grosseur de la grêle et les fréquences de tempêtes de grêle qui nous tombent sur la tête. C'est quelque chose là de... C'est historique. Et il faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui se font blesser. Travaillant dans un magasin où nous vendons des fleurs et légumes à planter, nous sommes obligés de regarder s'il n'y aura pas d'orage et de tout mettre à l'abri, naturellement pour pas que ça soit détruit. Car en quelques heures, tout peut être ravagé. Et on va voir le lien que cet abonné-là, que je remercie, m'a envoyé, le lien... On va aller voir ça tout de suite. Tout est foutu, un agriculteur en pleurs après le terrible orage de grêle. Imaginez-vous, personne ne sera épargné sur une vidéo de 15 minutes diffusée en direct sur Facebook. Aurélien Esprit, arboriculteur à Pont-de-l'Isère, fait le tour de son exploitation après le terrible orage de grêlon qui s'est abattu sur le nord Drôme ce samedi 15 juin dans l'après-midi. En pleurs, le jeune homme de 29 ans lance d'emblée « Je vais vous montrer ce qu'on vient de se prendre sur la gueule. » Prenant dans sa main les blocs de glace qui sont tombés, il montre ensuite à la caméra les trous dans ses abricots, ses pommes et ses cerises, ainsi que les tapis de feuilles qui jonchent le sol. « Je n'ai jamais vu ça, c'est affreux », poursuit l'agriculteur, qui est par ailleurs conseiller départemental La République, de la Drôme, et adjoint à la ville. Ça, il aurait pu le garder juste pour lui. « On travaille depuis des mois, tout est tombé, je ne vais pas m'en sortir cette fois, je pense », dit-il encore, toujours en pleurs. La vidéo diffusée samedi vers 15h avait déjà été visionnée par plus de 9000 visiteurs 3 heures plus tard. Je vous laisserai le lien, comme ça vous pourrez aller voir tout ça. Une cagnotte Litchi vient d'être lancée en soutien aux paysans de Pont-de-l'Isère, Châteauneuf-sur-Isère, qui ont tout perdu en l'espace d'un orage de grêle. Wow! Donc, voyez-vous, chers amis, personne ne sera épargné. Et honnêtement, c'est vraiment très, très angoissant. L'été n'est pas commencé encore, OK? Je vous reviens.